faut toujours vérifier que tout marche avant, même si tout marche avant. Salut à toi, peuple de TEDx. Salut à toi, salut. Le mot conclusion, c'est le mot le plus con jamais inventé, parce que TEDx, ça se conclut pas. Vous avez vu qu'ils se suivent, ils se ressemblent pas, ils parlent avec les mains, avec la bouche. Ils font des trucs formidables, ils vous racontent des choses formidables. Pourquoi conclure ? Je vois pas. Je vois pas l'intérêt de conclure. Je serais plutôt partant pour revenir sur tout ce qu'ils ont dit et le remélanger. Vous savez qu'on est parti de Terre Histoire, et puis on est allé manger, on est allé faire du beatbox, on est allé faire des jeux vidéo, au point d'ailleurs que pendant le goûter, appelons ça un goûter, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais TEDx, ça part dans tous les sens. Mais oui, TEDx, ça part dans tous les sens, parce que TEDx, c'est américain. Et TEDx, comme c'est américain, il n'y a pas de plan en deux, en trois parties, non. TEDx, c'est américain, donc c'est moi, 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 moi. Et à force de dire moi, c'est toi, toi, toi. TEDx, c'est américain. C'est pas une marque mondialisée, multinationale, hors sol. Il y a une culture derrière TEDx, même si le logo nous fait parfois oublier que TEDx est américain. TEDx est profondément américain, mais à nous, avec nos territoires, d'en faire notre histoire. Et c'est ça qui est intéressant, quand on voit les intervenants se succéder dans un TEDx, ils disent tous « je ». Tous, tous, tous. On n'est pas à la Sorbonne, on n'est pas au Collège de France, où on entend souvent dire « il ». Les Mérovingiens, le Conseil constitutionnel. Non, un TEDx, c'est « je ». C'est intime, c'est intime, c'est intime. Oui, c'est bon. Hé, hey, oui, c'est bon. Merci aux techniciens. Je voudrais vous faire une confidence. Une immense confidence, c'est que la grosse dizaine de personnes qui est intervenue aujourd'hui devant vous, nous avons affaire grosso modo à une douzaine d'escrocs et d'imposteurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que hier, on a fait des répétitions, et les 12, et Bisti n'était pas là, mais les 12 ont essayé de nous faire croire qu'ils étaient nuls hier. Et ils ont bien réussi. Pendant les répétitions, mais c'était la liquéfaction du collectif. Les techniciens envoyaient les images n'importe comment. Tous les autres faisaient semblant d'être nuls, mais nuls. C'était incroyable. Mais quelle imposture. Et aujourd'hui, ils étaient super bons. Levez-vous, les intervenants, levez-vous. Maintenant, on va faire une expérience parce que, évidemment, TEDx ne peut pas fonctionner sans le public. Hier, il n'y avait pas de public, donc ils étaient nuls. Moi aussi, d'ailleurs. Je suis meilleur aujourd'hui. Pardon. TEDx ne peut pas fonctionner sans le public. C'est très sérieux ce que je vous dis, ça n'est pas de la démagogie. Un peu. Mais pas trop. On va faire une expérience. Parce que dans TEDx, on aime bien faire des expériences, parce qu'il paraît que c'est pédagogique. Si on fait faire aux gens, ils comprennent mieux. Ça, c'est le côté américain. Donc, on va faire une expérience. C'est la charte. Prenez-vous la main droite et la main gauche dans le public. Allez-y, allez-y. Tout le monde s'est lavé les mains. La main gauche et la main... Vous devez tenir deux mains. Sauf ceux des extrémités qui, eux, peuvent rester. Et, alors, tenez très serré. Mais très, très serré. Silence. Mais très serré, continuez à serrer. Chut. Nous allons dire une prière pour l'UMP. Non. Continuez à serrer. J'introduis un peu de politique pour ma conclusion. Vous tenez serré ? Essayez maintenant de m'applaudir. Vous n'y arrivez pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le public et nous ne sommes rien... Sans nous.
Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et répondre à mon ami qui me disait « Mais TEDx part dans tous les sens. » Absolument pas. TEDx sait exactement où il va, comment il va. Il a tracé sa route et il vous fait croire qu'il va dans tous les sens. Sauf que tes histoires, c'est des histoires intimes. C'est pour ça que je vous parlais du jeu tout à l'heure. Alors je vais voir enfin si je sais faire marcher des transparents. Hop ! Oui, conclusion. On chasse ce mot débile qui commence d'ailleurs par son adjectif qualificatif. Nos intervenants, tous autant qu'ils étaient, nous ont posé trois questions centrales par rapport à la question du territoire et des territoires et de l'identité. Ils nous ont posé une première question, trois questions. Comment être soi? Comment être mieux? Comment être à l'autre? Ça fait un peu curé. Hein. Comment être à l'autre? Hier, vous étiez deux. Aujourd'hui, vous êtes un. Comment être soi? Je crois qu'il y en a trois qui ont répondu à la question « Comment être soi ?» Autrement dit, plus je connais ma terre histoire, mieux je comprends la tienne. C'est ça, l'enjeu de terre histoire. C'est pour ça qu'on dit « je » dans les TEDx. C'est pour que l'autre il dit « je », mais c'est moi, c'est nous, tac. Comment être soi? Grand hein. Que nous a dit Irina? Irina, c'est la Roumaine qui est devenue française et qui, en quittant son pays, a trouvé sa maison. C'est très bizarre. C'est très bizarre que le migrant, l'immigrant, celui qui se déplace, en quittant son pays, s'arrache le cœur. Et en même temps, elle nous a dit, Irina, mais je me suis trouvée. Je suis une tortue, pas une torture, une tortue. J'emmène ma maison avec moi et j'ai construit ma maison comme ça. J'ai construit mon identité. Mon identité, je l'ai retrouvée, pas uniquement dans le bleu des yeux de ma grand-mère. Je l'ai retrouvée en arrivant en France et en montant une association culturelle qui parlait de mon pays. Et en quittant mon pays, j'ai retrouvé la culture de mon pays. C'est une trajectoire, c'est une territoire. Marianne. Alors Marianne, ça a pris du temps. Hein. Beaucoup de claques dans la vie, beaucoup de douleurs, Marianne. Des hauts, des bas, des clients qui s'en vont, des gens qu'elle aime qui partent, ses deux filles qui veulent habiter la maison, mais dans tous les endroits de la maison, dans le jardin, dans la maison. Et il lui faut du temps à Marianne, elle fait plusieurs métiers, puis à la fin, elle trouve son métier en inventant sa maison, ou l'inverse, on ne sait pas trop, mais en tout cas, son identité, c'est sa maison. Et on est encore dans des histoires de terre histoire et d'identité. Mourad. Mourad, il retrouve les contes de son enfance. Il a un questionnement par rapport à ses contes. Ses contes ont franchi la Méditerranée, on lui envoie des enregistrements. Et puis il ne les retrouve pas complètement. Alors il gratte. Ce n'est pas une psychanalyse. C'est le travail de l'écrivain qui va sonder son émotion, qui va sonder son identité et son vécu et le temps passé en France, passé au Bénin, passé en Algérie et qui finit par retrouver l'ADN, le volcan des contes qu'on lui racontait quand il était petit. Et quand un écrivain retrouve l'ADN de l'émerveillement de l'enfant, il retrouve son identité et il peut continuer à écrire. Et il est fort probable que si Mourad n'avait pas retrouvé le sens profond de ses contes, il n'aurait pas pu continuer à écrire. Je suis sûr que ce que je dis est vrai. Deuxième question. Les premiers dont j'ai parlé nous ont dit comment être soi. Parce que être soi, c'est trouver son identité, c'est trouver sa territoire. Le territoire peut être en dur, mais on peut l'inventer, on peut s'en souvenir. Et le souvenir d'un territoire, c'est déjà une identité. Mais comment être mieux? Comment être soi? Comment être mieux? On monte petit à petit. Non, TEDx, ça n'est pas le grand n'importe quoi. Ça ne part pas dans tous les sens. Stéphane. Stéphane nous a dit la pleine conscience. Vous vous rendez compte? On est dans un continent, un monde occidental, où c'est Freud qui règne. C'est l'inconscient, la mode.
C'est l'exploration de l'inconscient qui nous a façonnés aujourd'hui. Et Stéphane arrive et dit « Non, mais ce n'est pas une fatalité, l'inconscient. On n'est pas condamné à s'allonger. On peut être pleinement conscient. On augmente sa capacité de conscience. On est donc mieux. On se connaît mieux. Il y a donc une possibilité d'être encore plus conscient entre le soleil et la tristesse. On peut marier les deux, mais il y a des choses entre le soleil et la tristesse. L'augmentation de la conscience. On est encore plus conscient. Je me faisais la remarque, et je me faisais la remarque à votre place, je suis sûr que là, il n'y a rien. Il y a un siège rouge qui est vide. Et à côté, il y a un vieux téléphone, et puis il y a un bouquin. Je suis sûr qu'une partie d'entre vous ont passé une partie de la journée à se dire « Mais est-ce que quelqu'un va s'asseoir dans ce fauteuil ?» Alors, pour celui qui veut savoir quel est le titre du livre qui est posé là et qui s'est posé toute la journée, que ça lui a gâché la journée, je vais lui dire, c'est « Les voyages extraordinaires de Jules Verne ». Ça n'a pas été choisi au hasard. Non, TEDx, ne pars pas dans tous les sens. Excusez-moi, je fais une petite photo pour ma famille. On augmente la conscience. Avec Alim, on augmente sa santé. On diminue sa ligne. On progresse. Comment être mieux ? Comment être mieux et franchir des étapes ? Comment mieux se connaître ? Comment être soi ? Comment définir son identité ? Une fois qu'on a trouvé son identité, on est dans ce qu'on appelle la congruence. On a trouvé sa boîte à chaussures. Un recruteur me disait un jour, finalement, il y a un moment donné où on trouve sa boîte à chaussures. On est la bonne paire de chaussures. Des Nike, des Weston, ce qu'on veut. Et on est dans la bonne boîte à chaussures. Et on la remplit pleinement. Et on le sent et on le sait. Il vaut mieux le savoir tôt. Moi, un recruteur me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire dans 10 ans ?» C'était il y a longtemps. Et moi, très modestement, je lui dis « Moi, mais en mieux. » Quel con. Qu'est-ce qu'il nous dit, Alim ? Alim dit « On peut repousser les frontières de... On peut faire l'homme augmenté. On peut être le jeu vidéo de notre propre santé. » Il ne nous parle pas d'automédication, il nous dit « on peut être pleinement soi ». Et il n'y a aucune raison de culpabiliser parce qu'on vous dit « attention, l'automédication c'est mal, ne testez pas sur vous des médicaments, etc. » Il s'en fout lui, il met du beurre dans son café. Et il augmente sa connaissance de lui-même. Donc vous avez la pleine conscience de Stéphane et la pleine conscience du beurre dans le café. Alors hier, il n'y avait pas Bitsy. Il est arrivé à la cool, etc. Bitsy. Est-ce que je peux faire, moi, un truc comme ça en avalant mon micro ? Non. Bitsy, c'est la bouche augmentée. Ça n'est pas drôle, ce que j'ai dit. Ça n'est pas drôle parce que pour faire ce que Bitsy a fait, je pense, mais je n'ai pas revu mes cours de beatboxing depuis la troisième, je pense qu'il faut avoir une sacrée conscience, hyper conscience de son corps et de sa santé et de son souffle et de ce que peut dire la cage thoracique à sa bouche, à son palais, à sa cloison nasale. C'est exactement la question du comment être soi et comment être mieux que soi. Aller au-delà de son identité qui peut vous plomber, aller au-delà de son identité qui peut vous élever, avec tous les ingrédients qu'on veut, la littérature, le territoire, la bouffe, le cul, tout. Bitsy nous dit ça, il nous dit de la même façon qu'on peut explorer les territoires de la conscience, de la même façon qu'Alim nous a dit, on peut s'augmenter avec du beurre dans le café, un monitoring très précis du corps, et trouver ce qui nous convient, pour passer de 120 kg à 75 kg avec 0,5% de graisse. Bitsy nous dit, t'as une bouche, eh ben tu vas t'en servir. Nicolas nous amène au
frontière du deuxième tableau, antichambre du troisième tableau de notre jeu vidéo du jour, qui s'intitule « Non, TEDx ne part pas dans tous les sens ». Même zéro, on peut tous être des héros. Là encore, comment on s'améliore? Comment on progresse? La vie est peut-être un jeu vidéo et on progresse dans les tableaux. Il ne faut pas mourir. Mais le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule vie dans la vie. C'est pour ça que c'est très important la question du comment être mieux et de se la poser une fois qu'on a résolu la question de l'identité. Dans le désordre d'ailleurs, c'est possible. Et c'est intéressant de savoir qui on est, quelle est notre identité, au moment où les jeux vidéo nous divisent, nous démultiplient les personnalités, les avatars. On a plusieurs visages dans plusieurs réseaux sociaux et on parle à des gens différents en même temps. Par exemple là, je viens d'actionner un tweet, rien qu'en gonflant le muscle de mon mollet. C'est comme ça. On arrive à la troisième question. Comment être aux autres? Tout à l'heure, quand je vous ai fait une blague, que j'ai dit « il faut prier pour l'UMP », je ne plaisantais qu'à moitié. Ce qui arrive à l'UMP vous concerne. Et oui, je ne ferai pas de sondage dans la salle pour savoir qui est membre de l'UMP ou militant de l'UMP. Mais ça vous concerne, mais je vous dirai pourquoi je vous en parle dans quelques instants. Comment être aux autres? Karim, Dominique, Jean-Pierre, Sandrine. Comment être soi? Comment être mieux? Comment être aux autres? Non, TEDx ne part pas dans tous les sens. Comment connaître sa propre terre-histoire pour être mieux aux autres? Je voulais vous faire une conférence sur un sujet sur lequel je n'ai aucune compétence, comme d'habitude. Je voulais vous parler de la Catalogne. Je suis né en 1969, et à l'époque, on allait directement en Espagne, au bord de la mer, à Barcelone, etc. Et voilà que depuis lundi dernier, j'ai des rêves, des cauchemars, où en me disant, mais entre l'Espagne et nous, il y aura peut-être un pays dans 10 ans ou dans 5 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette terre-histoire qui pue? Est-ce que c'est une terre-histoire qui pue? Est-ce qu'une nation qui demande à écrire sa terre-histoire, elle pue nécessairement? Les challenges, ils sont là. L'Europe, la République française, tranquillou, depuis 1969, pas de problème, tout va bien. Et puis là, et au réveil, peut-être la Catalogne sera un pays, et il y aura peut-être un pays entre la France et l'Espagne. Tous autant qu'on est dans la salle, grosso modo, on n'a connu que des pays et qu'un pays avec les mêmes pays limitrophes. Terre histoire. Mais je ne pouvais pas vous faire une conférence sur la Catalogne parce que je n'y connais rien. Donc je continue. Karim. Karim nous a dit, toi, moi, la ville, les arbres, on s'écosystème. Grosso modo, je résume. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que, finalement, on a une identité, c'est notre maison. Mais notre maison, elle est dans une ville. Notre maison est une des cellules de la ville. Et la ville est un organisme qui respire, comme la termitière. Et la termitière a une climatisation autonome. Comment être aux autres en étant bien dans sa maison, de façon à ce que la maison soit la cellule d'un corps harmonieux? Toutes les conférences qu'on a vues, notamment en vidéo, qui nous disent « on a perdu de vue notre nourriture, là, on ne la renifle plus, on ne l'accueille pas bien, ça a changé le périmètre de la ville », questionne le sujet de Karim. Sandrine nous a expliqué que l'homme africain était entré dans son histoire et depuis bien plus longtemps qu'on ne veut le croire. No comment. Dominique, nomad land et pas no man's land. Les nomades, les gens qui bougent, et quand ils bougent, ils ne vendent rien du tout, ils donnent. Vous vous rendez compte à quel point je fais un lapsus pourri de merde? Au moment où il y a une maman nomade qui dit « on va à Toulouse et je voudrais donner les jouets qu'on a achetés aux enfants » et moi je dis « vende ». Ah ! C'est un vrai lapsus. C'est un vrai lapsus de salopard.
Mais tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit territoire, le territoire, on l'emmène avec soi. Tu connais mieux les nomades, tu les tolères mieux, tu vis mieux ton territoire, tu vis mieux ta terre, et en comprenant leur besoin fondamental d'absence de terre pour se sentir dans leur territoire, tu vis avec eux. C'est ça que nous a dit Dominique. Eh bien, tant mieux. Jean-Pierre, le goût du geste des autres. Le goût du geste des autres. Comment être aux autres? Comment être aux autres si ce n'est pas en traversant la Méditerranée et en essayant de comprendre comment ils font les briques? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous parler de ma grand-mère Zazou. À chaque fois, c'est un piège. Les briques de ma grand-mère Zazou, c'est un piège, je pleure. Parce qu'elle faisait les briques en retournant une cocotte. Elle prenait la pâte, et qu'une fois que le cul de la cocotte était chaud, cocotte renversée, renversée comme ça, putain de Dieu. La caméra est là? Parce qu'il paraît qu'il ne faut pas quitter le territoire du cercle rouge. Elle prenait de la pâte dans sa main. Elle est née à Mogador. Et mamie Zazou faisait ch'tac, 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 six ch'tac sur le cul de la cocotte chaude. Et ça faisait une brique en 15 secondes. Ce geste n'existe plus. Il existe encore? Bingo. Mais bien sûr que les feuilles de gris brique existent. Mais quelle louloute! Puisqu'il paraît que c'est les femmes qui transmettent les gestes de la cuisine. Il paraît que c'est les femmes qui transmettent les gestes de la cuisine. Et que la somme des gestes que les femmes font à la maison, vous avez remarqué, ça fait 636 milliards de PIB gratuits. Vous avez entendu les chiffres de l'INSEE cette année? Incroyable. Les femmes, vous êtes raquettées toute la semaine, je vous le dis. Raquettées. À la fin du mois, vous pourrez dire, tiens, la facture est là. Je te facture le territoire de des briques de mamie Zazou. La conservation du geste de l'autre. La conservation du geste de l'autre. Comment être soi? Comment être mieux? Comment être aux autres? Alors le problème de TEDx, c'est que TEDx, c'est une suite d'individualités. C'est une suite d'individualités, TEDx. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas toucher à TEDx, c'est la charte, c'est le truc, c'est le dogme. On ne doit pas toucher à TEDx, sinon on a des amendes, on n'a plus le droit d'en organiser, gna 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 gna. Eh oh! La critique de la mondialisation, elle existe. Elle existe. On peut toucher à TEDx. Ça s'appelle la souveraineté. Eh oui, excusez-moi, c'est comme ça. Et donc, TEDx nous parle de nos réussites, de nos engagements, de notre sujet. Et notre sujet nous habite, il les habite. Vous les avez vus, ils sont pris par leur sujet. Ils sont tellement pris par ce sujet qu'ils ont aux tripes que vous êtes pris. Jean Jaurès disait, je parle sous le contrôle des lettrés qui sont dans cette salle, un peu d'internationalisme éloigne de la nation. Et beaucoup d'internationalisme y ramène. Je crois que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'introspection personnelle ramène et emmène vers les autres. Et un tout petit peu d'introspection personnelle vous en éloigne. C'est ça, TEDx. C'est plus vous allez en vous pour chercher de la ressource et de la passion pour parler du sujet qui vous habite, plus vous êtes proche des autres. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que TEDx ne fait pas de politique. Et je crois qu'il faut faire de la politique. C'est comme ça qu'on transforme TEDx en d'autres sigles, les sigles que vous voulez. Mais il faut transformer les trois lettres de TEDx en sigles politiques. Il faut s'engager. Parce que si vous ne faites pas de politique, la politique vous rattrapera. Et vous aurez des problèmes de territoire. Merci beaucoup.
on s'en fout. On fait ce qu'on veut. On est souverain, transparent. Transparent. Non, parce que quand il y a des grands événements comme ça... Hier, j'en avais oublié deux autres, et là, j'en ai oublié un. Pourtant, il était dans les transparents. C'est Corentin. Corentin, l'ambassadeur... Si, bien sûr, je lui avais fait. L'ambassadeur bangladais de la jute. Corentin nous dit, finalement, lui, il est dans le secteur comment être aux autres. Corentin a complètement compris son affaire. Corentin est allé là-bas. Il a vu avec des yeux, pardonnez-moi, d'étrangers, ce que peut-être les Bangladais ne voyaient plus, et il leur a donné son astuce, sa fraîcheur, son inventivité. Et heureux qui, comme Corentin, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Corentin, a fait un beau voyage. Ça valait la peine de l'oublier pour lui rendre cet hommage. Son Excellence l'ambassadeur de la jute, on l'applaudit rien que lui.